Et bonjour à tous, c'est Nicolchi avec Gérald de Rive sur The Witcher 3. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on reprend où là on s'était laissé. C'est-à-dire que avant d'aller retrouver Triss, je vais aller réclamer ma récompense auprès des rois des mendiants. Alors qu'un elfe se fait réprimander, nous allons entrer dans la ville et j'aperçois qu'il y a beaucoup de gardes. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, lui sur quoi il se tient, le gars en blanc? Alors hop, on va traverser. Où tu vas comme ça, Vermine? Ton laissez-passer. Ah, il demande à laisser passer. Quel laissez-passer? Le genre qui garantit que t'es pas un mage. Impossible d'entrer à Novigrad ou d'en sortir sans ça. Mais je suis un sorceleur. Pourquoi ce bouclage? Pourquoi avoir fermé les portes de la ville? On l'a débarrassé des mages, sorcières et de toute la vermine qui y grouille depuis le début de la guerre. On va les choper jusqu'au dernier et les jeter au bûcher, comme on fait d'un bétail malade. Je n'ai pas de laisser passer. Désolé, je n'ai pas de laisser passer. Alors tu n'iras pas plus loin. Suivant. Attendez, comment en obtenir un? Commence par faire une offrande à l'église, puis trouve trois âmes pures qui se portent garantes. Laissez-le passer. Voici ses papiers. Quoi? Et comment ça se... C'est pas tes oignons. Retourne à ton poste. Bien le bonjour de Sigi Reven. Bah... Bonjour Sigi Reven. Alors, bah merci à lui. Bah allons-y. Bah on est entré... Hop, sauf que... Ah, j'ai pas pu le lire. Inventaire. Pif. Voilà, sauf conduit. Acquis de droit, je déclare par la présente que le porteur de ce document peut entrer et sortir à sa guise de la ville libre de Novigrad, de jour comme de nuit, et ne doit être dérangé, blessé, harcelé ou molesté, sous aucun prétexte. Sa sainteté hiérarque Am Emelfart. Il est pas censé être mort, lui, ce gars-là. Bref. On est on a réussi à rentrer à Novigrad. Maintenant, on va aller voir le roi des mendiants. Alors je vais être franc, je ne sais plus ce que j'ai fait pour lui. Le roi des mendiants, peut-être qu'il va nous le redire. À l'entrée, elle est où? Alors, on fait le tour. À l'entrée, elle est là. Ouvrez. Je veux entrer. Et par la même occasion, j'enflamme le truc. Ok, c'est bon, je peux entrer. J'ai pas vu. Ouais, c'est bien vu une sorcière. Mon des mages, des citoyens pauvres, des mendiants, quelqu'un qui nettoie, et on a ici le roi des mendiants. Coucou. Ouais. Tu en chuis avec les mages? Tu travailles souvent avec des mages? Mais quel petit curieux. On cherche du travail peut-être? Non. Non, mais je les connais. En général, ils rechignent à se salir les mains. Alors tu les connais mal. Un mage traqué, affamé et comme tout le monde, aux abois. Et donc pas difficile, question de boulot. À Novigrad, tout le monde peut saisir sa chance. Ça vaut aussi pour toi. J'ai sauvé l'un de tes hommes. Tu devrais mieux choisir tes hommes. Rico s'est fait repérer comme un débutant. Oui, c'est ce Alors Rico, est-ce que c'est pas l'Alflin là, le... Il t'a promis une récompense, j'imagine. Qu'on a libéré, là, qui était sur la chaise et molesté par le petit bâtard. Ça doit être lui, je suppose. Tiens-toi tranquille. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller? Alors, oui, il y a des trucs à fouiller. On va les fouiller. Ramasser, et ici encore, ramasser. Ok, il a rien dit, il nous a pas vu voler, donc c'est cool. Quête, alors, la prochaine que j'ai dit que je voulais faire finir, c'était la leçon d'escrime. On va aller voir Rosa, qu'elle s'appelle, il me semble, de mémoire, avec sa sœur jumelle. Ok. On est quand même pas loin, faut quand même marcher, trotter, alors hop. Hop là, je vais appeler Ablette.
On y aller à cheval, là, tant qu'à faire. Voilà. Coucou Ablette, je suis là. Je sais pas comment le jeu juge pour le pop du cheval. Là. En tout cas, ça passe pas par là. Le client avisé verra tout de suite que je... Ok, allez. Ok, allez. On y va, on va trotter un petit coup. On va suivre le GPS pour qu'il nous amène jusqu'à la leçon d'escrime. Où il y en a une des deux qui s'est passée pour l'autre. Donc j'espère qu'ils ne vont pas remettre en place ce stratagème pour nous duper. Est-ce que je peux galoper? Non, je peux pas galoper ici. On va y aller, il reste moins de 200 pas maintenant. Tranquillou, on va profiter de la ville de Novigrad. Bon là on est dans les, pas dans les beaux quartiers, mais bon. On arrive dans les beaux quartiers. Alors pourquoi ça crie? Je ne sais pas. Pourtant il n'y a pas de bandits sur le radar. Oh, ils ont peur du cheval. Un cheval plus sorceleur, ça fait pas bon effet. Hop, ah voilà. Là on arrive côté plus UP. On arrive en haut de la ville. Hop, et on arrive à destination et on va parler au garde, au capitaine de la garde. Vous êtes ici pour une raison précise? Je dois voir Rosa à la leçon d'escrime. Gérald de Rive. Mademoiselle Rosa est en promenade. Elle a demandé que vous la rejoigniez près du conducteur. La leçon promet d'être intéressante. Merci. Ok, bon, un petit aller-retour. Hop. Ya. Ah, j'aime bien cette musique. Oh. Cette musique, je la mets au galop, Ablette. Quand je suis avec les copains et on fait des jeux de plateau ou des jeux de cartes. On met la musique, ces musiques-là de Witcher, une musique d'ambiance. Il y a une playlist sur YouTube. J'en ai déjà parlé, il y a une playlist sur YouTube qui s'appelle Musique de Taverne. Et ça reprend la musique de Taverne de Witcher, Skyrim, tous ces jeux comme ça en fait. Pendant une petite heure et en fait ça met une super ambiance. Allez. Ah, il a dit « Ah, même toi », mais je vois pas les points rouges sur la carte. Bon, c'est pas grave. Au galop, Ablette. Hop. Bah non, je peux pas galoper en ville. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ça ici, Gérald. Non, j'ai pas de petite pièce. Ok, les gens qui font... qui font la queue... Ah ouais, tout carrément, les... Ah non, c'est pas les non-humains, c'est les... C'est les mages qui traquent. On arrive. Je peux galoper maintenant. Toujours pas. Ouais ben. Ah voilà, enfin. On peut galoper. Mais on se prend le premier truc qui est devant nous. Ah. Je l'ai dépassé. Elle était ici. Coucou Rosa, Var Atre. Vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard? Toujours. Ordre de père. C'est pour ta protection, Rosa. Les gens d'ici nous haïssent. Pourquoi? Que leur ai-je fait? Mais assez discuté de ça. Soldats, vous pouvez disposer. Mais son excellence, l'ambassadeur Var Atre, a dit... Et cette excellence-ci vous dit autre chose. Vous le reconnaissez? C'est Gérald de Rive. La plus fine lame que le Nord ait jamais connue. Avec lui, je ne risque rien. Allez, oust! Et vite! Gauche, droite, gauche, droite! De toute façon, il aurait pas tenu long feu, ce gars-là. Enfin! Allons-y, je pense Gérald. Pas que ce soit le meilleur des soldats. J'ai quelque chose à vous montrer. Par contre, je te trouve... Je te trouve hautaine, hein. T'es une Nilfgaardienne et hautaine, quoi. Nous étions censés nous entraîner. Pas nous balader. C'est... Je sais, Gérald. Arrêtez donc de râler et allons-y. Bon, bah, suivons-la. Oh. Allô.
Ah, j'ai déjà perdu. Allez, vas-y, cours. J'espère qu'on... Elle prend pas de cheval, j'espère que c'est pas trop loin. En tout cas, un joli fessier, malgré les plusieurs épaisseurs. Voilà. Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides, nous serions bien mieux à l'air libre. Un duel sur un pont, comme dans les romans. Allez, en garde. Je n'ai que mes épées en acier et en argent. Nous devrions utiliser des armes d'entraînement. En effet, mais vous savez mieux que quiconque que l'interdit est nettement plus amusant. Bon bah comme tu veux, tu vas prendre cher. Si vous insistez. Je préférerais simplement que ça ne se termine pas dans les larmes. J'ai prévu un mouchoir pour vous au cas où. En garde. Vous êtes rapide. Allez, hop, on la contre. Enfin, parade. Et bim. Stop. Je... Tu m'étonnes, je t'ai entaillé une dizaine Tout de fois. Oui. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Et pourquoi cet intérêt pour l'escrime? Au fait, d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Je m'ennuyais. Je n'ai aucune amie ici. Père ne me laisse rien faire. Des banquets, toujours des banquets. Un vrai calvaire. Conversations ennuyeuses. Piètre chère, pas d'alcool fort. Exactement. Avec une épée en main, on s'amuse. On se défoule en somme. Très bien. Et maintenant? Il faut que je rentre. Et... Pardonnez-moi, Gérald, c'est assez délicat. Pourriez-vous vous détourner un instant? Mon corset a bougé, il me pince horriblement. Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle, mais combattre en corset, ça doit vous ralentir. Ah! Rosa? Elle a fui. Et merde, elle a filé. S'il lui arrive malheur, Var Atre aura ma peau. Je dois la retrouver. Et je dois arrêter de parler tout seul. Ok, trouvez Rosa à l'aide de vos sens. Non, c'est l'autre. De vos sens de sorceleur. Ok. Je pense qu'on verra. Ah, ok, hop. Examinons. Elle va droit au 7 chats. Génial. Elle a envie de s'amuser. Bah, allons-y. Avec le sens de sorceleur, suivons les petits petons rouges. En tout cas, elle a de sacrées enjambées, je trouve. Tac, tac, tac. Ok, elle est là-bas. Alors, ma mignonne, on est perdu? Ça pourrait mal finir, des fois. C'est la fille de l'ambassadeur Var Atre. Elle jouit de l'immunité diplomatique. Je comprends rien à ton charabia. Sauf un truc. T'en pinces pour les escadrons noirs. Pas étonnant, Lucas. Les sorceleurs, ça aime les monstres, c'est bien connu. Mais cette bestiole-là, hein, on va s'en occuper. Non, on va utiliser de la magie, ça fait toujours d'XP en plus. Vous avez offensé la jeune dame, je crois. Présentez vos excuses en vous appliquant. Excusez-moi, mademoiselle, je suis désolé. À ton tour. Sois gentil comme ton ami. Tire ta révérence et va jouer aux patriotes plus loin. Ouais, on n'a pas vu la révérence. Je n'oublierai pas ces noms. Et quand l'empereur aura conquis Novigrad, je les ferai payer. Tout doux. Ouais, tu vas te calmer un peu là. Ils ont fait aucun mal. Ils ont levé la main sur moi. C'est assez pour qu'on la leur tranche. Ouais, et tu m'étonnes que le Nord déteste le Nilfgaard. Et après ça, on s'étonne que le Nord déteste le Nilfgaard. Je vous croyais différent des autres Nordiens. Aptes à nous comprendre, à comprendre notre sens de la justice. J'ai eu tort. Rentrez donc chez vous, par le plus court chemin. Rentre chez toi, gamine. Je comprends. Adieu, Gérald. Et bonne chance sur la voie.
C'est ça, ouais. Ok. Fini. Quête terminée. Ouais. Leçon d'escrime terminée. Alors j'ai vu des trucs à fouiller en venant ici. Alors ramasser de l'eau. Ça se prend toujours. Produit haché magique. Haché magique. Alchimique, haché magique, c'est sur Guild Wars 2. Il va pleuvoir. Merci Gérald, il pleut déjà. Alors, cap sur Skellige, non. Quête, maintenant qu'on a fini ce que je voulais faire, je vais aller... pas sorti de l'auberge, gagner la carte unique, non. Ça, ça sera pour plus tard, ça c'est triste. Et alors, plus tard, je serai l'ennemi numéro 1 de la Redania. Et œil pour œil. Et ça, c'était un message de mon portable. Bon, c'est pas important. Trouver Triss. Ok, carte du monde. Où est-ce qu'on peut stepper directement pour... Ok, on peut aller stepper ici à la place du hiérarque. Et allons retrouver Triss. On y va à pied. Est-ce que on mettrait pas, méditerait pas un peu? Voilà, il y a des petits bâtards. Allez, hop. Ok, hop. Et est-ce que je peux? Allez, approche. Boum, la parade. Et il est mort. Est-ce que... on peut les fouiller? Oui, on peut les fouiller. Couronne, bouteille vide. Je prends pas les armes. Couronne. Couronne du jambon. C'est bon le jambon. On le prend, ça fait toujours de la régène pour... Les gardes postés devant chez Triss. Ça sent le roussi. Ouais, ça sent le roussi pour une rousse. Je veux méditer jusqu'à 8h du matin là, ce soir, sinon on peut plus rien voir si on doit sortir. Ok, il est 8h du matin et on va rentrer chez Triss et ses hôtes ne sont pas là. On va quand même monter. Mais j'ai payé d'avance. Ah, on l'entend. En effet. À l'ancien tarif, les risques ont augmenté. Rien de plus naturel que le tarif suive. Ok, elle veut une augmentation de tarif. J'ai plus un sou. Et vous avez autre chose, très cher. Donnez-nous le collier. Et fichez le corps. On va pas réagir. Triss est assez grande pour se défendre elle-même. Arrêtez. Je vais vous le donner. Filez, oust. Sur un autre ton. Mais on peut comprendre... Désolé, je ne savais pas si tu voulais que j'intervienne. Non, en fait. Leur comportement... Je sais, c'est indigne. Je peux comprendre, ils méritaient ce collier. Ils hébergent un mage, ils prennent des risques, voilà, c'est comme elle dit Triss, là. Je m'inquiétais pour toi. Je m'inquiétais pour toi. La ville grouille de chasseurs. Je sais, tout était paré, nous allions partir, mais les chasseurs nous ont pris de court. Ils ont bouclé toutes les issues, posté des gardes à chaque carrefour, en une nuit. Puis ils ont commencé à fouiller la ville, rue par rue, maison par maison. Ils arrêtent quiconque leur semble louche. Pour l'essentiel, des petites gens munies d'une patte de lapin ou d'un fer à cheval. Mais il leur arrive de tomber juste et d'arrêter de vrais mages. Oublie les autres et sauve ta peau. Tu ferais mieux d'oublier un peu tes amis mages et de penser à sauver ta peau. Et toi? Tu abandonnerais Vézémir? Eskel? Lambert? Tu préférerais sauver ta peau? Tu marques un point. Je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Mais je ne peux pas les laisser tomber. Je sais ce qui attend ceux qui tomberont aux mains des chasseurs.
Comment vous aider alors ? Je peux aider ? Tout part à volo. Je ne sais pas par quoi commencer. Il faut réunir les mages sur les quais au plus vite, les faire embarquer. Mais Berthold et Anis n'ont toujours pas rallié le point de rendez-vous. Berthold et Anis ? Mais qui sont-ils ? Berthold et Anis, qui sont-ils ? Un jeune couple. Lui est alchimiste, installé à Dornal. Elle a étudié à Arethusa. Je crains que les gens qui les hébergent ne les aient dénoncés. Tu vois que je n'étais pas si mal loti. Gagner le port risque de poser problème. Gagner le port ne sera pas facile. Les rues sont bien gardées. Nous ne passerons pas par les rues. En cas de danger, nous devons tous gagner le Martin Pêcheur. Ces caves abritent un passage qui mène aux égouts, lesquels semblent permettre de rallier les quais. Je connais les égouts de Novigrad. On n'y croisera pas de garde, mais ce n'est pas sans danger pour autant. C'est pourquoi je compte sur toi. Bah, il doit avoir des noyeurs, des noyés, toutes ces... Et le temps presse. Toutes ces merdes, les on va dire. Les chasseurs peuvent nous devancer d'un instant à l'autre. Tu saisis mon dilemme maintenant ? Oui. En aider deux et mettre tous les autres en danger. Ou aller droit au Martin Pêcheur et les vouer à une mort certaine. Que faire, Geralt ? Ouais, on va pas. Ouais, on va pas tout risquer pour deux personnes uniquement, quoi. Tu ne peux pas tout risquer. Vaut mieux que sauver le plus de monde possible. Avec un peu de chance, ils seront. Ils seront toujours en vie. Enfin, ils vont s'en sortir avec un peu de chance. Allons au Martin Pêcheur. Allons voir Martin Pêcheur. Et suivons Triss. Avec grand plaisir, je suis Triss. Bah, les autres ne sont plus là en plus. Ils sont même pas. J'ai dû partir aussi. Attrapez cette catin vivante. On va y arriver. Allez, amène-toi. Ok, elle a interrompu son attaque, donc c'est cool. Allez, attaque. Il va y être... Ouf. Boum. Ah, il m'a mis la flèche quand même. Ah, il faut que je venge aussi. As-tu vérifié les égouts sous le Martin Pêcheur ? On va manger son chou-poulet. Je ne pensais pas qu'il nous faudrait passer par là. Dire qu'il y a un an, les gardes saluaient les mages qu'ils croisaient dans la rue. Aujourd'hui, nous voilà à fuir la ville comme des rats. Tu pourrais rester. C'est capable. Sans moi, les autres ne s'en sortiront pas. Une patrouille. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Vite, allons-y. Soyons discrets. Pendant ce temps, je vais looter la caisse qui flotte. Oui ? Oui ? On est marre de vivre. Ah, d'où la patrouille ? Ah, celle-là. Lui, là. Les deux, là. Lui, il est tout seul, ouais. Ou ils sont deux ? Bordel, j'en sais foutre. C'est bon, ils sont partis. Allons-y. Ok, allons-y, continuons à suivre Triss. Je pense que c'est ouais, les deux là-bas, sur la droite, qu'elle parle. Et donc, on va aller se diriger vers le Martin Pêcheur. Là, on va retrouver plein d'hommages, je suppose. Ni garde, ni chasseur en vue. Tout semble en ordre. À moins qu'il soit trop tard. Ok, Martin Pêcheur. Une taverne. Louis soit Mélitel. Y a-t-il des rescapés de la planque d'Argentin ? Odette, Caspar, Dithmer et Jeanne. Et Hagen ? Il ne viendra pas. Hagen, il doit être mort. Vite, avant que quelqu'un entre. Ouh, un passage secret. Alors, est-ce que... Ouais. Des trucs à fouiller avant de partir. Désolé, l'ami. Olivier. Désolé, Olivier. Je fouille ta taverne.
Trace, on se faisait un sang d'orgue. Il y a de quoi. Les chasseurs sont à mes trousses. Gérald, attends une minute. Je veux savoir qui a fait ça. Pourquoi c'est là, mon bel enfant? L'inquiétude pourrait finir par vous en dire. Tu as dû en connaître des inquiétudes. Non. Dijkstra. Je suis né hideux. Tu fuis pour Kovir, toi aussi? Non, mais j'aide les autres à le faire. Tu connais mon bon cœur. T'as pas de bon cœur. Ah voilà. Je te connais, tu es sans cœur. Ton cœur qui s'émeut. Trigan. Pourquoi t'émouvoir aujourd'hui? Ça fait des mois qu'on me l'image ici. Alors je sais pas comment ça va être, il y a le son, la musique qui est plus forte que la. Je suis en quête que les voix. À Kovir. En donc je sais pas ce que ça va donner au montage. Nous parlerons plus tard. Nous avons attendu longtemps avant de fuir. Il a fallu s'assurer que le Kovir nous accueillait, réunir l'argent pour louer un bateau, trouver un capitaine de confiance. Nous avons trop attendu. L'heure n'est plus aux hésitations. Nous quittons Novigrad aujourd'hui. C'est de la folie. Les chasseurs sont partout. Nous allons gagner le port via les égouts. Gérald va dégager la voie pour nous. Avec grand plaisir. Même. Vous verrez, ils vont nous prendre et nous tuer. Peut-être. Auquel cas nous mourrons dignement, l'arme à la main. Pas lié à un poteau à crier grâce. S'il arrive quoi que ce soit, je vous couvre. En cas de besoin, je vous défendrai. Comptez aussi sur mon soutien. Oui, le soutien d'un espion adanien, du bras droit de Radovid. C'était il y a longtemps. Vous avez tout appris assidûment à tuer, vous. Inutile de ressasser le passé. Le sujet est clos. Tous aux égouts. Je vais entrer dans les égouts. Quand j'indiquerai que la voie est libre, suivez mes pas et n'en déviez sous aucun prétexte. Je pars avec Gérald. Vous, Dijkstra, allez au port et voyez si tout est en ordre au niveau du bateau. De ce pas. On s'y retrouve, j'espère. Bon, on a Dijkstra qui nous aide. Triss, tu tiens vraiment à m'accompagner? Sans vouloir t'offenser. Trop tard. Cesse de parler. Ah non, Triss, c'est une... Ça aide hein, en DPS. Hein. Alors, quête mise à jour. Non, ça c'est Dijkstra. Quête mise à jour, maintenant ou jamais. Radovid et l'église s'y opposent. Voir la magie disparaître. Et des trucs à fouiller. Ah oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Bon, je voulais pas te parler, moi je veux juste fouiller. Délivre-nous du mal. Sauve-nous. Je peux pas fouiller. Alors, il y a quoi d'autre que fouiller? C'est au nom des dieux. Désolé, je vous marche dessus. Ils nous brûlent par haine, par peur. Donc, je vais pas éteindre. Ici encore. Ramasser. Ramasser. Célèbre loup de chance. Je m'incline devant. Oui, mais en fait, tu gênes le poteau, le tonneau, là où je vais ramasser des choses. Je vous prie de me laisser tranquille. Alors, si j'ai pas tout, c'est pas grave. Mais bon, ça fait toujours du truc pour du craft. Si je dois faire les armures du serpent, du griffon et tout ça. Ok, et là encore, on va finir ici. Hop, et on éteint la flamme, parce qu'on est comme ça. Et suivons Triss. Allons-y, là aussi. Voilà, oula. J'ai failli tout prendre sans regarder. Gantelet de chevalier, huile contre les insectoïdes supérieurs. Le reste, c'est du truc alchimique. Inutile de me remercier, vraiment. Si, c'est utile. Tu ignores à quel point ça importe d'avoir quelqu'un sur qui compter dans cette foutue ville. Calme-toi. Tu peux toujours compter sur moi, Triss. Bientôt. Peau d'ours blanc. Ok, on a des monstres. Dis adieu. Des fangeux. Lui on peut le... Hop, il est à terre. On peut l'avoir tranquillement. C'est bien ce petit... Ah ouais, parce que j'ai augmenté sa force à ce machin.
Donc les trucs, ils ont plus de chances de tomber et on peut plus les achever comme ça. Voilà. Hop. Et... Ah, celui-là, il veut pas. Tranquille, la terre. Ok, plus de tête, alouette. On va ramasser le cerveau et on va ramasser l'œil. On va ramasser échelle de corde. Et des crânes, des torches. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a plein de trucs. Bottes de pilleur. Sang noir supérieur. Ok. Bottes de pilleur de sang noir supérieur. Ok, il y a eu deux fois la même chose. Trois fois la même chose. Ok. On va pas se plaindre. Donc ici. Ici. Encore des caisses à fouiller. Du coton. Et du cuir. Ok, on a tout fouillé. On va reprendre le chemin. Bon sang. Aucune issue. Tout est perdu. Énorme, mon sens de sorceleur. Une issue, on va en trouver une. Où ? Le passage est droit comme un i, pas la moindre bifurcation. Regarde, Matrice, t'as vu ? Une bibliothèque. Et une bibliothèque. Oh, plein de livres à... Plein de livres à prendre. Oh, il y a plein de trucs à lire, je sais, mais on va tout... Ok, on a plein de livres. Trois livres, on a trois nouveaux livres. Entretien ton arme soldat. Mettrez sur pause, hein, je vous laisse lire. Siffler à l'oreille des chevaux, ça c'est Robert Redford. Et tome sacré du feu éternel, ça c'est à brûler. J'aime pas le feu éternel. Donc ramasser. Ici encore. Ici on a... Ah non, ça c'est déjà lu. Voilà, Gonzale de Verseo, les couplets retrouvés. Je vous laisse lire. Pif. Alors est-ce qu'on a encore des livres à chercher? Ouais, il y a encore des livres ici. Le sang ancien, lire. Pareil, je vous laisse lire. Mets-toi sur pause. Moi je lirai peut-être plus tard, un de ces quatre. Hop. Et celui-là on l'a trouvé. Les couplets retrouvés, on l'a déjà lu. Pif. Ah, les joyeux du Nord, Oxenfurt. Donc là, il parle de la ville de Oxenfurt, hein, pas loin du Pontard. Et normalement, on a tout pris. Ok, on a tout pris. Ah non, il en reste encore un. Portrait des races anciennes. Qu'est-ce qu'un non-humain, d'accord. Ok. Ah, les alphelins. Les alphelins, ouais, c'est ça qu'on a, on a rencontré il y a 2-3 épisodes. Ah, c'est vraiment, ça part vraiment de toutes les races. Siffler à l'oreille des chevaux, ça on l'a lu. Celle qui sait. Alors, hop. Entretien ton arme soldat, on l'a lu. Regarde. Rhys, j'ai trouvé une issue. Ouh. En une minute, j'ai bien cru qu'on était fichu. Mais non. En plus, il y a un coffre. Derrière, on a pantalon cuir durci de Lyrie et ruche supérieure. Ça c'est bien, et on a des mobs. Hop. Et de 1. Bim! Vous êtes tous les trois morts. Langue de... Ah, c'est considéré comme des noyeurs. D'accord, ok. Langue de noyeurs. Des caisses à fouiller. Hop, ici aussi. Ok, on est bon. On peut continuer par là. Triss? Est-ce que tu suis? Elle est où, Triss? Pourquoi elle est restée derrière? Tu viens? Ou faut que je te débloque?
Il y avait encore un livre par terre, hein, même si c'est déjà des tomes qu'on a déjà lu trois fois. Ok, ce coup-ci elle suit. Et elle même nous dépasse, en plus. Tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? C'est gros. Ça sent les rats. Franchir la zone où les rats se nourrissent. On va mettre Igni, on va les brûler. Alors, on va les brûler. Hein. Donc on va descendre. Je vais faire le tour s'il y a des trucs à fouiller. Mais je pense pas. Ah si, quand même. Crâne et cendre. Ça se prend. Ok, c'est bon. On peut descendre. Ah oui, les attaques. Hein. Okay. Pas étonnant que ça grouille de rats. Qui peut donc balancer tous ces cadavres? C'est bon, c'est doucement les rats déjà. Nous sommes sous la grande place, près du quartier général de Cardovarez. Il y a sûrement un lien. Alors. Les débiteurs ont tendance à se volatiliser. On va fouiller les cadavres. Quelques morsures aux pieds et aux mollets. Rien méchant. Il faut nettoyer ces plaies, sans quoi tu risques l'infection. Plus tard, j'arrive. Trouvons d'abord l'accès au port. Alors, est-ce que je peux accéder à ces caisses? Ah oui. Allez, allez. Ah, presque. Ok, bah il arrive à s'accrocher là-dessus. Alors là, c'est crâne et du charbon, on prend tout. Ok, on continue. Il y a encore un truc. Des florins et une pioche. Donc on a tout ramassé ici. Une lettre froissée. Ok, lire. Jouk. Maître Varez réclame son argent. Pour la première et la dernière fois, remboursez la totalité avec les intérêts demain ou vous verrez pourquoi on me surnomme Maître Varez le surin. Hall. Ok, fermé. Pas de nouvelle quête qui s'enclenche, donc c'est cool. Descendre, des florins sur les cadavres, des florins sur les cadavres. Et ici, il n'y a plus rien en tout cas. Beaucoup de cadavres. On continue de grimper. Continue de fouiller aussi en même temps. Ici on a pantalon de Mahakam et Blizzard amélioré. D'accord. Et là, Torlune et huile contre les vestiges supérieurs. On prend, on reçoit plein de. On trouve plein de nouvelles recettes, c'est cool. Bon, il y en a des trucs en double et en triple. Si je vais par là, non. C'est le chemin. Un petit peu fouillé. Alors ici on a cuirasse de Magdera et chat huant supérieur. Gantelet d'assaut, étoile dansante améliorée. Gantelet d'assaut et poussière de lune supérieure. Et là c'est déjà des trucs, on a des trucs en double. Des recettes en double dans les coffres. Je pense qu'ils en ont mis plusieurs au cas où si on les loupe. Les recettes. Ici on a un cadavre examiné. Divide et exsangue. Un lingot d'argent. Ici on a des fongeux. Ok, hop. C'est vrai que j'essaye de faire des parades aux mobs, mais qu'on n'y arrive pas, pas tellement à ces mobs-là. Œil de monstre, fiole, argent, optima machin, j'ai pas lu. Hop, et celui-là il loot rien, des caisses. Cendre, échelle de drapeau, torche, cendre. Ici encore des tonneaux, des vides. Et il reste un fouillé. Ok, on a tout fouillé, c'est cool, on a battu 2-3 monstres en plus, juste pour avoir tous ces petits loots en plus. Et maintenant on peut descendre. Ok, ok, là il y a un corps, on va l'examiner. Il y a des blessures au niveau du cou et des épaules. Alors, gantelet de Garf Nilfgaardien,
et huile contre les spectres supérieurs. Et ici, c'est verrouillé, on peut pas y aller, bah continuons tout droit, ici encore. Il y a tout à ramasser. Et ici, un autre cadavre. Ok. On peut rien faire, je pense qu'il était rouge, mais qu'on a parlé à l'autre cadavre. C'est passé. Hop, j'ai vu un truc des griffes. Examiner. Marque de griffes. Longue et acérée. Okay, on prend tout. Pâte alchimique et AKS. Continue notre avancée. Ici il y a une caisse. Bouteille vide pour faire de la, des potions. Encore un autre cadavre. Éteint. Moi je veux pas éteindre, je veux examiner. La lanterne brûle encore. La mort est récente. Par morsure au cou. Un vampire inférieur. Reste près de moi. Oh, un vampire. Ici de quoi fouiller. Alors les vampires, de mémoire, ils sont sensibles à Igni. Mais on va... on va vérifier. Ok, le vampire. Ok, bah, je vois, c'est huile contre les vampires et Igni. Ouais, huile contre les vampires et Igni. Est-ce qu'on se ferait pas une petite huile contre les vampires? Et on va mettre... on va mettre Igni en... en attaque. Okay. On va fabriquer l'objet. Huile contre les vampires améliorée. Ah ouais, carrément. Ah, c'est beaucoup plus... Alors... inventaire. Pif pif, consommable. Alors. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ici. Huile. J'ai huile contre les vampires et contre les nécrophages. Je vais mettre contre. Bah. Je vais mettre ça. On va indiquer. On va mettre Igni. Et. On continue de ramasser quand même les trucs importants. On fait toujours du composant alchimique. Et Triss qui a la main en feu. C'est le bruit qu'on entend depuis tout à l'heure. Peau d'ours, minerai de dimétérium. Encore des tonneaux. Échelle de corde. Corde à sauter. Et bouteille vide encore. Ok, allons-y. En plus, bah, si Triss a son truc, sa main en feu, bah, c'est bien pour contre les vampires. Ok, on a un catacan. On a lui là. Sur 14 coups. En plus. Hop là, on le brûle. Ah, il reprend de la vie en plus. Hein. Moi aussi, je reprends de la vie. Ok, on a plus de vie là, c'est pas grave. Pas toujours, hélas. Hélas. C'est un bon gagne-pain. Bien, continuons. Ok, on l'a eu. Donc lui, il a bien fait son effet. Alors ici, on a épée longue de Spikrug et chat amélioré. Et la même chose en deux fois. Donc on a plein de nouvelles recettes, c'est cool. Et on continue notre chemin vers les quais. Ok, là, minerai de météorite et de la soie. Ah, et là-dedans, une bouteille vide. Tu entends? Oui, j'entends. Nous y sommes. Décoction de l'échelle. Et bombe au dimétérium supérieur. Des bombes. Et dernier truc à fouiller, une peau de loup. Et on va retrouver Dijkstra. J'ai bien cru qu'on allait prendre racine. Vous avez eu le temps d'inspecter. Excuse-moi, j'ai eu des vampires. Et des fongeux en route. Le bois il brille, les toiles sont fusées jusqu'à la trame. Et je ne vous parle pas de. Il nous mènera à Kovir. Sauf en cas de tempête. Je vais dire aux autres de venir.
dois-je jouer du violon? Aller chercher des fleurs? Des chocolats? Ouais, mêle-toi de tes affaires. Je sais que j'en pince pour Triss, mais c'est entre Triss et moi. Cesse de fourrer ton nez. C'est pas entre Triss, toi et moi. Alors, tu comptes lui demander de rester? Je te le dirai pas, mais oui, je vais lui demander de rester. J'adore les histoires d'amour. Surtout celles qui finissent bien. Les chasseurs, ils approchent. À l'abordage! Ils nous les font vivants! Silas! Ah, je suis encore sur l'igni. Bon, c'est pas grave. Ça brûle. Raté. Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide, et la méthode... Ouais, sacré hache d'extra. Brûle. Tu peux ramasser. Couronne. Ah d'extra, je ne sais comment... Les politesses attendront très cher. Montez à bord. J'ai eu le temps de ramasser deux couronnes. Merci. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Et ce que nous avons vécu. Reste triste. Reste avec moi. Reste avec moi. Gérald, ne recommence pas. Surtout pas ici, maintenant. Mademoiselle Merigold, il faut appareiller. Triss. Nous avons laissé filer notre chance. Ah, non, non. Ah, direct. Mais Triss. Triss, je t'aime. Mademoiselle Merigold, faut partir. On se retrouvera, Triss. Je suis sûr. Oui, je suis Team Triss. Je suis pas Team Yennefer. Je sais que dans les bouquins et tout ça, c'est Yennefer. Mais moi, c'est Triss. L'ami, tu auras essayé. Naguère, une sorcière m'a laissé tomber. Je te raconte? Ouais, allez, pourquoi pas. En quoi ma relation avec Triss t'intéresse? Je préférerais apprendre pourquoi ma relation avec Triss t'intéresse. Si je te disais que c'est parce que je tiens à ton bonheur, tu me croirais? Non. Non. Bien vu. Ne te mêle pas de politique. Nous savons que c'est mieux ainsi, et Triss aussi, ce qui n'est pas rien. L'autre élu de ton cœur, c'est moins sûr. Elle fait les yeux doux à Nilfgaard. Non, mais c'est pas un élu de mon cœur et une Yennefer. Comme toujours. C'est que Triss. Et un jour, on risque de se retrouver face à face. Ce serait pigrement dommage. Mais bon, c'est un futur lointain. Pour l'heure, intéressons-nous à des affaires plus pressantes. Gérald. Derrière toi. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je suis sérieux. Triss. Tourne-toi. Elle est restée? Ah, oui. Triss. Triss? Je croyais... Moi aussi. Mais j'ai changé. Elle a encore son collier. Ah, le faux raccord. Souvent femme... Souvent femme varie, tant mieux. Non, on va pas la trash talk. Merci. Je te remercie. Dijkstra, sans vous offenser... Je file, je ne suis plus là. Ouais, laisse-nous. Allons quelque part. Je connais un coin d'où l'on peut observer les navires. Je te suis. Ah. Vous sentez la censure arriver? Ah, la censure. Ils sont sauvés, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as plus à t'inquiéter. C'est terminé. Tu as raison. Mais j'ai peine à croire que ce soit fini. Cela fait des mois que je rêve de cet instant. Cesse de risquer ta vie pour autrui. Promets-le-moi. Peux-tu me promettre une chose? Que tu vas cesser de risquer ta vie pour les autres? Non. Non? Triss, il n'y a plus un mage à Novigrad.
Mais tu es ici. Je sais me défendre. Face au Kikimor, au Griffon, au Brooks, mais pas face à la chasse. Ciri et toi avez besoin de mon aide. Je serai à tes côtés. Tu as raison. C'est ainsi que tu voyais les choses ? Non. Je pensais prendre le large avec les autres et te voir rester à quai, agitant peut-être un mouchoir. J'espère que tu ne regrettes pas qu'il en soit allé autrement. Ma foi, on dit que le Covir est ravissant en cette saison. Mais je te préfère. Ça, c'est gentil. Pas étonnant, je suis à mon zénith à cette époque de l'année. Je suis assez d'accord. Nous pourrions y aller un jour, quand tout sera fini. Le roi Tancred m'a proposé un poste de conseillère. Vraiment, le Covir me semble au fin du monde. Et ouais, je viens, mais je pourrais toujours continuer à exercer. Ce serait synonyme de bal, banquet, tous ces trucs pénibles qui commencent par un B. Il y a aussi bain, baume, baiser. Tu pourrais compenser toutes ces années passées à dormir sur une souche et à te laver au torrent. C'est tentant. Il faudrait que je renonce à être sorceleur ? Non. Tu accepterais un contrat de temps à autre pour rester affûté, mais rien de trop périlleux que je n'ai pas à m'inquiéter. Et je t'attendrai... Oh, laisse-moi deviner. Avec un souper aux chandelles. Bien sûr, près d'un bon lit. Et tout nu, c'est possible. Même si, on s'est toujours débrouillé sans. Ah ! La censure ! La censure, point, 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 la censure. Ah d'accord, il croit que c'est un message en morse. Yerbre. Ça n'a aucun sens. C'est con. Codé. Qu'est-ce que tu crois ? Et je suis sûr qu'ils vont travailler là-dessus pendant 5 ans. N'importe quoi. Mais excellent ce petit truc à la fin là, c'est marrant. J'aime bien. Merci, Geralt, pour ça, et ce que tu as dit au port. J'aurais dû le dire depuis longtemps. Bon. Et maintenant ? C'est un peu tôt pour le Ylvécurt heureux. Ce temps viendra. Un jour, nous l'aurons notre fin heureuse. Oui, hors de la Monts et Merveilles. Nous vivons dans un monde cruel. Difficile de faire des projets. Et plus encore d'avoir foi en eux, aussi précieux qu'ils soient. Tu étais d'une toute autre humeur il y a 2 minutes. La chandelle est morte. Ne t'inquiète pas pour moi, Geralt. Et de grâce, sois prudent. Je dois trouver Ciri. Je suis tout prêt. Je la trouverai, elle ou quelqu'un qui sait ce qu'elle est devenue. Où nous retrouverons-nous ? Je ne vois qu'un endroit où sorceleurs et mages sont les bienvenus. Kaer Morhen. Je n'y suis pas allée depuis longtemps. Eh bien, au plaisir, sorceleur. C'est vrai que... Ah oui, c'est vrai, elle était au... Dans le 1, elle était là. Les premiers moments de Witcher 1. Triss était déjà venue à Kaer Morhen. Donc voilà, Triss est à Kaer Morhen. On a fait notre petite affaire. On est avec Triss. L'objectif principal de ce jeu, bien sûr.
d'odeur âcre de la sueur et d'un baume aux châtaignes pour les rhumatismes. Dijkstra. Ah, les sorceleurs. Tu nous espionnais ? On ne peut rien vous cacher. Je voulais droit d'auteur. Tourne le compliment. Vas-tu un jour me laisser tranquille ? Un jour, sûrement. Quand je n'aurai plus besoin de toi. Tu choisis mal de comploter. Tu penses vraiment que le moment est bien choisi, Siggy ? Triss et moi. Épargne-moi ton couplet, Geralt. Les sorceleurs sont dépourvus de sentiments. Et j'ai une affaire urgente à t'exposer. De quoi s'agit-il ? Dis-moi, combien de mages avons-nous sauvés au total ? Une, c'est Triss, c'est ce qui compte. Je n'ai pas compté. Une trentaine. Le reste, on s'en fout ! Et combien en reste-t-il dans le Nord ? Combien d'alchimistes, de guérisseurs et autres herboristes ? 2000 ? 3000 ? Tu t'intéresses au recensement maintenant ? Non, je suis inquiet. À Novigrad, nous étions là pour eux. Mais qui leur viendra en aide ? Arend, Panhard, Hardgareg ou Guleta ? Tu sais aussi bien que moi que cette pourriture de Radovid n'aura de cesse de les traquer jusqu'au dernier, y compris Yennefer et Triss. Ta sollicitude va me faire pleurer. Viens-en au fait. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je veux que tu m'aides à éliminer Radovid. Ouais, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas un tueur de roi. Tu tiens tant que ça au mage de ce monde. Tu espères me faire avaler ça ? À vrai dire, parfaitement. Mais pas par sensiblerie, je te l'accorde. À mon sens, cette persécution généralisée n'est que le symptôme d'un problème plus épineux. La Redania est gouvernée par un fou. J'ai servi Vizimir, le père de Radovid. J'ai dirigé ses services secrets pendant plus de 20 ans. Ensemble, nous avons changé la Redania. Nous en avons fait le royaume le plus puissant du Nord. Sais-tu d'où venait cette puissance ? Allez, au hasard. De ces armées ? Tu as tout faux, imbécile. La mobilisation de masse, l'appel aux armes dans les campagnes. Quoi de plus simple ? Il est bien plus difficile d'établir une nation stable, au commerce prospère et à la production florissante, aux alliances solides, à la science progressiste et aux cours indépendantes à même de faire justice. Vizimir et moi y étions parvenus. Toutes ces années d'efforts. Je ne compte pas me tourner les pouces pendant que ce petit merdeux fout tout en l'air. Radovid le sévère, mon cul. Radovid le sauve. Donc il avait réussi à mettre la Redania stable et en fait pour lui Radovid est en train de tout foutre en l'air, d'accord. Je comprends les choses. Le régicide ne fait pas partie de mes activités, quoi qu'en dise la rumeur. Je sais. Je te demande seulement de m'aider à organiser l'assassinat. Quelqu'un d'autre portera le coup. Dijkstra. Même si je trouverais ça difficile à croire, tu n'as jamais entendu parler du principe de neutralité des sorceleurs. Foutaise ! C'est le prétexte que vous brandissez comme bouclier chaque fois que la température monte. Et elle monte, mon ami. Elle ne cesse de monter. Les bûchers brûlent dans les villes pour tous les mages, petits et grands, tes amis y compris, pour les non-humains. À quand le tour des sorceleurs ? Est-ce là le nord dans lequel tu veux vivre ? Tu préfères te taire, garder tes intentions pour toi, je comprends. Tu es un roi et un équerre sont deux choses différentes. Réfléchis à la question. Pense à ce que je viens de dire. Si tu décides de changer le cours de l'histoire plutôt que boire la coupe jusqu'à la lie, viens me trouver. Je serai dans la mansarde du Passiflore. J'attendrai là-bas avec mes hommes. Je vais y réfléchir. Bon vent, Geralt. Ok, bon, quête terminée. Maintenant ou jamais. La conjuration, suive la quête. Ok, là, donc ça c'est la quête avec Dijkstra. Et je m'aperçois qu'on n'a plus nos gantelets ni nos bottes. Mes bottes sont... Non, c'est celle-là. Ouais, du griffon. Ok, on a des trucs. En tout cas, je pense qu'il y a des trucs à fouiller là, on va y aller. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous. Et à très bientôt. Pendant ce temps-là, moi, je vais fouiller.